Par plusieurs d'entre vous, permettant d'ouvrir le débat ici au plus haut niveau de l'État.
l'État sur les outils dont nous avons besoin pour mettre fin au féminicide. Et puis la pandémie est arrivée et son lot d'aggravation des violences dans les familles. Plusieurs d'entre nous avons tiré la sonnette d'alarme pour demander des mesures de protection renforcées pour ces femmes. Et puis, dans le gouvernement de la crise, a été adopté dans toute première semaine, avec des moyens à la clé. Le principe de la politique a été étendu à l'ensemble du territoire et des moyens ont été déployés pour renforcer le revenu à travers tout le pays. C'est pour la question simple. Comment notre société doit-elle s'organiser pour empêcher que les femmes soient tuées parce qu'elles sont femmes? Alors, premièrement, pour combattre efficacement un phénomène, il faut bien le nommer. La réalité complexe qui a été féminicide est définie dans cette loi. Premièrement, avec les féminicides qui pratiquent les plus connus, ceux connus par les partenaires, les partenaires ou les membres de la famille. Il y a ensuite les féminicides non intimes. Féminicide, isoliste, explique pourquoi il faut pas que l'homme ait le droit.
Oh, oui. Pour le poste.